veuve bien orphelin atana vanda na lujingu yanki mutindu yo ina bubu betme vanda betme vukama kimvuka yake ya nene yo ke lomba baki mvuka nyoso ya nkaka yo kwisa yo kutana betu kuma kimvuka moshi ya nene betu telema banken tu veuve bosala sambu ba mama ina mpiboke na maki. On est là aujourd'hui pour célébrer la 10e journée internationale de la femme veuve. Le 23 juin de chaque année, normalement, le monde entier célèbre la journée internationale de la femme veuve. Cette journée a été proclamée pour être célébrée, pourquoi ? Pour attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation de la femme veuve. Selon les statistiques, il y a plus ou moins 250 millions de veuves dans le monde entier. Et presque la moitié vivent dans une pauvreté indescriptible. C'est comme ça que les Nations Unies avaient proclamé la journée du 23 juin pour sensibiliser la communauté internationale sur la situation de la veuve et de l'orphelin. Nous ici, nous ne sommes pas là pour faire les discours parce que normalement les discours doivent être faits par les autorités du pays, les ministères ou bien la présidence. Nous sommes en AFEV, comme vous avez vu sur la banderole. En AFEV veut dire Association nationale des femmes veuves. Vous allez peut-être vous demander, mais association en AFEV, c'est quoi? Puisqu'il y a beaucoup de plateformes, il y a beaucoup des organisations plutôt, il y a beaucoup des ONG qui militent normalement pour l'amélioration des conditions de vie de veuves et des orphelins. Nous, sachant bien qu'il y a beaucoup d'associations qui sont là pour améliorer les conditions de vie de la veuve et de l'orphelin, nous avons souhaité former une plateforme. Une plateforme qui est en AFEV, qui réunit normalement toutes les associations qui luttent contre la spoliation de la veuve et de l'orphelin et qui travaillent pour améliorer les conditions de vie de veuves et des orphelins. Je ne sais pas ce que je fais. Oui, nous sommes dans toutes les provinces. Nous avons des représentants, des présidents provinciaux, provinciales, quoi. Dans toutes, nous sommes représentés dans toutes les provinces de la République. Alors, comment vous faites pour pallier vos difficultés? Est-ce que vous avez des bailleurs de fonds ici au niveau national? Bon, au niveau national, jusque-là, on n'a pas des bailleurs de fonds comme tels. Mais nous avons quand même au niveau international, il y a des gens de bonne volonté hein, qui nous envoient des dons. D'abord, comment nous fonctionnons, vous voulez dire. Il y a des cotisations, les cotisations des membres. Il y a les dons des gens de bonne volonté, des personnes de bonne volonté qui nous envoient des dons que nous vendons pour faire fonctionner l'association. Mais il y a plus les unités de production. Puisque normalement, on ne peut améliorer les conditions de vie de veuves et des orphelins qu'avec l'argent. Et l'argent, il faut le chercher. Et pour chercher l'argent, nous avons créé des unités de production. Nous avons créé des unités de production telles que par exemple, nous avons parmi les mamans, nous avons plus de 10 000 mamans. Hein, plus de 10 000 mamans. Ici, c'est juste un échantillon.
Nous avons les maraîchères. Hein, les gens, les mamans qui font les champs, les mamans qui font les bilangas. Il y a les mamans qui... Donc nous avons les mamans qui vendent au marché, nous avons les mamans qui vendent les makala, nous avons les mamans qui vendent des poissons, nous avons les mamans qui vendent même les épices, nous avons des mamans qui des mamans couturières, nous avons des mamans qui ont des je peux avoir par exemple une moto, hein, c'est toujours une unité de production. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons nos mamans au niveau de Anafev? Nous renforçons la situation de ces mamans-là. Une maman peut avoir aussi, elle peut avoir une unité de production. Elle a par exemple un sac de makala. Elle veut en avoir deux, Anafev peut lui donner de l'argent, hein, qu'on puisse dans la caisse, dans notre caisse, pour permettre à cette maman-là de s'épanouir. Donc nous soutenons les activités de maman, mais nous aussi nous avons des productions, des unités de production. Vous serez recevé par des milliers de Congolais, des étrangers aussi. La ville de Kinshasa est vaste. Oui. Le siège de Anafep, c'est dans quelle commune, sur quelle Nous sommes sur le petit boulevard, sur le boulevard Lumumba, numéro 334, croisement 10e rue à Limité. D'accord. Nous tendons vers la fin de votre déclaration. Est-ce que vous avez un message particulier adressé à tous ceux qui vous suivent en ce moment-ci? Bon, on fait un appel, hein, un appel aux gens de bonne volonté, hein, pour soutenir ces mamans, hein, parce que nous sommes là, nos mamans, pour soutenir le veuve et l'orphelin. Toute personne, maman, qui veut soutenir, qui veut nous venir en aide, il peut toujours le faire. Merci. Ma maman, Tozali, Association nationale de la femme veuve. En sigle, Anafev. Parce que c'est une journée en Abisso, c'est une journée internationale de veuves. Yaliboso, tous les fans pour encadrer ma maman, ma fille mère, pour accompagner sa bango, na ba formation, pour salir sa bango, na muke oki comme on a. Femme veuve, car la tous les comment la femme veuve a zaki a kufanda nandako. Mais tu es comment que c'est malamouté. Femme veuve azali mutu ya l'état. Pourquoi l'état a kuki ko sundo la femme veuve? Nde yango to telemi to belela monde mobimba lokola basiba pona ki mukolo ya lelo ezali mukolo ya ba veuve. C'est pourquoi to ye kusangana au to belela to yebisa batu monde que biso toza plateforme oyo to kuki ko senga ba association nyonso et y est kati na la plateforme ya Anafev. Ponani tosali boy parce que biso tozali sanga munene partout au Congo na ba province nyonso tozali soko komi na Mbujimayi Anafev, okomi na Chikapa Anafev, okomi na Goma Anafev. Mais pourquoi pas monde international, il fallait toi implanter kuna pour toi to ebana mokili mobimba. Naebi ke on a lobby ndeza essentiel. Ke na babaka la veuve na bana na mbika la veuve. Yo ke journée mo chianene le 23 juin. Journée ya yo vanda initié na société civile na mama mo chimpi ya bwala ya Gabon, mama ina ku vanda nkentu marié mais a pensa na bankentu ya ke ba veuve. Samba toute la journée ya yo vanda journée mo commémorative. Ça n'a qu'à soutenir ma veuve, na ba orphelin yame bikala na pachi boke tanga veuve boke souffrir. Yo ina bubu mpi Anafev ya ke association ya ba femme veuve nationale ya Kinshasa nyonso na itandia ya République bet fetaka yo, mais comme bete na état d'urgence ya maladie ya COVID moya ya kutula ba mama nyonso ya province ya Kinshasa ensemble yo kel veuve bet ko respecter parole ya président de la République. Yo ina kimvuka ya ba mama ya ime vuka ma bubu sambu na kusolola ku sala nkimutindu betulungu kuvanda kutala nkentu ya ike veuve bien orphelin atana vanda na lujingu ya nkimutindu yo ina bubu betume vanda betume vukama kimvuka ya ike ya nene yo ke lomba na bakimvuka nyoso ya nkaka yo kwisa yo kutana betu kuma kimvuka moshi ya nene betu telema bankentu veuve bo sala sambu ba mama ina mpiboke na makikesa boke na mayele ya kusala na kati ya ba société na kati ya ba gouvernement bana na bompike na kutanga me boke
mené vie moche à misère boké nan kati ya passi bana ke na ki salo veko na chômage yo ina buba mama ya na faire bet me kutana awa sambe tu baka ndinga comme muntu moche betu tuba mfumo abwala kuwa kuzaba ndeyo ke na ba veve ke na kati ya Kinshasa boké négligé boké baka bona valeur ve boké considéré ve na société yo ina buba bet me vukama awa sambu na kusolola nki mutino betu lungu sala Betre lomba na bantu ya bonne volonté ba ina kena kima na poche na bo bo soutenir ba veuve na borfelin yeyi awa plateforme yeyi ke kaka ba mama bo moshi ke kokutibaka en charge na ba moyen na bo ya ba cotisation yo ina bo ke sala nyonso me betre lomba na mfumu ya bwala kanake wa betu akwisa tu la betu di boko betu na besoin ya soutien na yani a soutenir ba veuve a soutenir ba orphelin nyonso ye ke ne tandi ya république bo ke na kati ya souffrance bo ke na kati ya misère bo ke tangisa bana na mpashi bo ke na situation mosi très difficile yo ima kima betu vanda buwe samna kuvuka ma betu songa ba mpangi nyonso ke na kuwata ba partenaire na betu étranger ba ye ke ba société ya nene nene bo tu la betu maboko sambu ba veuve ku vanda mpi na kiese Samuna kive est-ce qu'elle veut long que ça la vienne à kati gouvernement samba kenken to moi que zaba ku boko la bana aké zaba ko instruire bana est-ce long que ça la vienne à société dès que la besoin ya ba tout la maboko na kati ba veuve bo soutenir bana bo soutenir pi boala merci mena c'est maka swahili na furai kabisa Na journée ya leo. Na furai vile tunachangana hapa. Ni feti munene ya leo ya ba mama. Bale barisha kuzeuka. Ba femme veuve. Bala abana na mtu akubasaidie hapa. Tuko natafuta mzee. Atuangalie. Atuwazie. Sheba veuve. Hatuna na mtu wa kutuangalia hapa. Hii ni shuku yetu munene ya kufurahi. Ni feti yetu ya munene ya le 23 juin. Sasa, tuku nalia kwa bakubwa bote ba inchi, batuangarie na batoto. Hatuna namu na kufundisa batoto yetu. Hatuna namu na kubalisa. Hatuna na babwana. Maana yake inchi yetu ndiye itasaidia batoto yetu kubapatia makazi. Hatuna kazi tuku nafanya. Njo tunakuwa kulia kwa mzee. Hii shuku ya leo atuangalie kwa maneno yetu ya baveve. Tunamusaidia kabisa. Aendelee, atuangalie. Atuangalie shebo wote inchi mzima. Tunatafuta kuplante baveve na Mbujimayi, baveve na Chikapa, baveve na Kananga, baveve na Lubumbashi, baveve inchi mzima. Inchi mzima tuzambalale. Tuzambalele tuku ba atuna ba veve ba zamani bade barikuwa na ikala. Bada ba kukupende kutumika. She tuingali na nguvu ya kutumika. Atuna babwana babwana barisha kutukufa. Sasa kuna namna she kushimama. Kutravaye juu ya batoto yetu. Tutafanya na buje. Juu ba endelee. Atuna namna kubafundisha. Niku na lalamika inchi muzimi tushiki. Na bazungu batuangarie. Batuangalie kwa maneno. Maana yake tulisha kuchoka. Kama ni kuna gonjwa, hakuna mtu mwenye kunibeba kwa hospitali. Mtupatie kwa centre ya hospitali. Mtupatie kwa centre ya batoto wetu kufundia, mama somo. Hatuna namna kwenda kwa hospitali na malari. Ile jambe jinzambi. Waka sanka bwani, tushala baka jiba mulufu ilani baka jiba kamba. Mwalu baka kwenye mtu jimuleji ibwa, mukamba to. Anunzambi bumuji wamba bwani bajiba bijikuchinu juwangata umwa ushia umwa bajiba bijifabularu juwangata umwa ushia umwa kibwaluka ilelu tujibashala baka jibakamba ni bana ba mulufuili nina nkwao bini kala batu muna totu bima na mwabe chusumbu chaba ama mwaba mbwani tuji tutangile jitu kujalelu jetu jaji sanka jamu sangelu watuetu kusanka wajitu kujetu jaba veva mule 23 juin Nunkwe, kibwaluka itujibimana,
Vraiment, merci beaucoup. Nazo pesa mukolo alelo parce que premièrement, je me présente, Naza présidente, il y a Dynamique des femmes Action Fachi. Oye ebengani na kombo ya Difaf. Soki naza awa naye pona compatir na ba mama na biso parce que komona lelo ba femme veuve ba telemi nde ba telemi boye eza facilité na kanisi ke batu nyonso ba kolanda biso ba koyoka biso webi ke na kala ezala ki mama veuve soka kufeli mobali soka kufeli papa mama na kozalaka na ndaku na mawa azana attitude moko kaka ya pasi mais lelo tan tomoni ba mama na biso ba sepeli ba telemi boye liboso na biso ba telemi pona biso ezo sala biso esengo makasi. C'est pour cela na sala ki programme lelo ke no lelo quand même en tant que femme dynamique nazo kamba pe ba mama na ya quand même ko sepeli longo na ba mama na biso ko pesa bango courage ko pesa bango makasi po bako ba lisusu. Parce que tous les sous nata ya maman veuve avant d'en andar côté. Comme ba maman abiso basi ba telemi boye tozo senga ba konzina biso ba maman abiso oyo nyonso bazali banda mboka vraiment boka ni sa ba maman abiso oyo. Parce que ce n'est pas facile ya ko trouver le lot quand même une association ya ba femme veuve. Na kala j'espère ezala kité. Alors nga tant que présidente ya Difaf nazo représenter tous les mamans de Difaf na ya li sous féliciter ba maman abiso maman Julie Mama secrétaire générale, Mama Annie, parce que même ba masque otolati, Mama nda saleli biso don. J'espère que nazana ebela kolobate ba mama. Bo umela, nzamba sunga bino bo zala makasi. Merci beaucoup.